salut à tous les amis, c'est QRNoir3268, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Last Day on Earth pour une nouvelle fois pour faire la ferme. Donc c'est parti, nous allons pouvoir commencer. Ah la vache, parce qu'il y a du bon loot et surtout il y a la chopper. Donc il y a des chances, qui dit chopper, qui dit évidemment peut-être le réservoir. Donc nous allons essayer de tenter à nouveau de faire la ferme, une nouvelle fois. Hop, je vais mettre ça là par contre. C'est parti. En espérant. Oh oui, c'est vrai, je crois qu'il y a un géant, une espèce de géant de mémoire. Exactement, une espèce de géant sauvage. Elle m'a dit que c'était le vrai, je sais pas, hein, on est perplexe. On attend. Oh, enfin bref. Oui, oui. Hop, oui. Dans la boîte. Oui. Oh, des zombies qui chamaillent. Merde! Je déteste la ferme quand il y a des zombies, c'est vrai que c'est compliqué. Hop. Par contre, une chose est sûre, dès que vous rentrez là-dedans. Il se chamaille! Voilà, dès qu'il y a ça, il suffit de ressortir de la map. Comme ça, ils vont plus jamais revenir normalement. Hop là, direct! Là. Bon, c'est vrai que ça va être compliqué. On y. Bon. Voyons voir maintenant ce que ça va donner. En espérant que... bon, vu qu'ils se chamaillent comme des merdes... On va déjà clean la zone, parce que ce serait bien, parce que là... Waouh, ça me plaît pas du tout. Là, pour l'instant, je suis en full discret. Oh, il y a le destructeur. Ah, j'ai horreur de ce mob-là. Pour l'instant, on sait pas faire pairer. Et par conséquent... Regardez ce que je vais faire, je vais tourner derrière lui et lui faire des coups critiques. Voilà, terminé. Bon, maintenant il faut trouver un coffre. Terminé. En espérant qu'il faut le trouver. Je vais essayer parce que c'est pas gagné. C'est quoi qui se déplace? Ça va. Par contre, lui, j'aimerais bien qu'il me repère, exact. C'est pas grave. Il m'a foutu des dégâts, c'est pas ce qui me fait peur. Approche. Bim, bim, et bim. Terminé. Heureusement que j'ai un katana. Heureusement que j'ai des katanas. Et pendant que je faisais le comico en off, j'ai réussi à trouver une carte bleue. Donc, c'est bon signe quand même. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Là, ça va être typiquement très très dur pour récupérer le gros coffre. Je ne sais pas, déjà.
Je vais essayer de faire ça. Oh, même le taureau me suit, c'est un enfer. Je déteste le taureau, il fait super mal. Wow. Pourquoi tu le vises pas, mec? C'est visé. Voilà, il s'est visé. Maintenant que le taureau est fait, on va devoir quand même clean la zone pour être sûr que... Parce que je voudrais pas faire trop de bruit non plus. Ah, petit fils de pute. Voilà, ça c'est fait. Chut. Normalement, on devrait clean. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait ça. C'est pas grave, de toute façon, ils ne font pas peur. Voilà, bim. De toute façon, ils sont morts, c'est très bien. Faut clean toute la zone pour être sûr de pas vraiment avoir trop de vagues. Comme ça, ce sera fait. Ça va, parce que pour l'instant, lui, il fait quoi? Il se déplace. Il m'a fait un peu de mal, mais c'est pas grave. Nickel, bim. C'est quoi ça, c'est un pilleur ou... Non, c'est un taureau. Bon. Il reste pourri. Pour l'instant, je n'ai toujours pas vu le destructeur. Ah non, il est là. Il est là, le destructeur. Le destructeur, il est là. J'aime pas quand il fait ça, ça je déteste ça. Je vais peut-être prendre ce que je vais faire, attendez. Hop, voilà. On va essayer de le niquer. Parce qu'il a quand même 2000 points de PV, mais on pourrait peut-être niquer la sorcière un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Et voilà, il est mort. Et nous avons récupéré de quoi de se refaire deux pansements. Et un appareil photo. Franchement, je suis pas déçu. Maintenant que ça c'est fait, j'ai encore un katana, donc ça va, c'est correct. J'ai encore quelques fusils à pompe. Une chose est sûre, c'est qu'au moins on a détruit le destructeur. Mais après, tout ce qui est taureau, tout ça, vu que c'est tellement lent, eh ben, on peut en finir hein, directement. Et par contre, je crois que c'est un pilleur ça. Taureau infecté. C'est qu'un taureau. C'est qu'un taureau. Mais je sais pas ce que c'est ça. C'est un pilleur. Ils sont morts tous les deux. Par contre, je peux bien récupérer leurs armes. Oh, l'appel aux remarques, c'est pas la peine. Mais il faut que je garde la place quand même. Pour l'instant, tout est clean. Pour l'instant, tout est bien, tout est bien. Tout ce qui est taureau, c'est pas grand-chose, mais je voudrais bien quand même m'occuper de l'ennemi qui est là-bas. Voilà, il y a un ennemi là. Il y a un taureau là. Oh oui, il y a encore des ennemis là, ce que je vois.
Quoi? Ah bah oui, encore eux. L'horreur. Ah oui, 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 c'est une horreur là qu'on voit. Ils se chamaillent et ça j'aime pas. Oh merde, je les en ai attiré deux. Hop, je vais faire ça. Là, s'il m'attaque, c'est mort. Oh, chier. Je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce. Merde, c'est pas vrai. Je déteste ça. On va se barrer et on va respirer un peu. La ferme, elle est très très dure à voir. Très très dure. Très très dure. Respirons un peu, réfléchissons comment on va s'y prendre. On va quand même prendre notre takana et le flinquer là. Si on y arrive quand même à ouvrir la grange là où il y a le chopper, s'il y a une pièce de moteur ou quelque chose qui nous intéresse dans le chopper, franchement, ça va m'intéresser énormément. De toute façon, dès que normalement j'aurai fini la chopper, je ferai une vidéo dessus, c'est sûr et certain. Je peux pas faire une vidéo sans que la chopper soit finie. Évidemment, je pourrais récupérer leur tissu, mais bon. Okay, je me suis fait deux pansements en plus, j'ai pas vu. Mais bon, c'est très bien. Il y a encore des zombies qui chamaillent, c'est ce qui me plaît pas. Comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Le destructeur, bah lui, il est mort comme une merde. J'en ai fini avec lui. Mais bon, on va essayer déjà comment... Ouais, le gros coffre, le coffre, il est énorme. Il y a du bois de chêne ici. J'avais pas vu. J'ai pas tilté, j'ai pas fait gaffe. Le bois de chêne est devenu très intéressant et très très important dans Last Day parce que... Ah bah oui, en plus j'ai faim, merde. Quoi? Il y a des zombies qui se chamaillent là? Sans déconner. Oh, c'est l'horreur, j'ai super faim, mais j'ai pas prévu. Ça c'est fait, mais j'avais besoin d'une petite faim quand même. Si jamais je trouve à manger ou à boire ici, il y a un petit chiot. Écoute, tu viens avec moi, toi. Allez hop. Putain, j'ai pas pensé à prendre la nourriture aussi, c'est ça qui fait chier. Oh, une clé plate, mais oui, je dis oui. Par contre, j'ai pas de nourriture, ça me fait chier. Il y a eux là qui me saoulent. Ils sont plusieurs. Chier. J'ai oublié les rustes qui m'ont attaqué précédemment. Et j'ai super soif aussi.
Putain, et le mec s'est pas visé, il s'est dit oh, je vise un peu n'importe où. Arme cassée, putain. J'ai une soif de merde et j'ai très faim. Le problème, c'est que j'ai pas de nourriture. J'ai que ça. Et alcool fort, bon. C'est pas la meilleure. Hein. Le moment venu. Est-ce qu'on va y passer ou on va pas y passer? Wow, y'en a plein. Oh, y'en a plein. Ah, c'est pas vrai! Ah, c'est une horreur! Infâme! Aïe! C'est une horreur! Oh! Putain, je suis à poil, bordel de merde, ça me saoule! Je déteste quand tu finis à poil, c'est une. Des horreurs pas possibles! Dai. Putain, puis en plus j'ai une faim de merde. Ça va être compliqué les mecs. Ça va être compliqué. Pourtant mon armure était full. Et non. Mais non. Ouais. Putain. Bon, on va manger, Matt. Je reprends. Putain, fais chier. J'espère que je trouve quelque chose de bien. Oh oui. Ah, oh, j'avais une petite faim. Bon, oh, bah, ça me rassasie pas tout, mais bon. Fais chier. C'est la merde, les amis. Y'en a merde. Puis y'a rien là-dedans. Grosse dope. Oh là 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 là. Une horreur. Comment je peux passer à côté de ça? En espérant que la grange ne soit pas fermée. Ça va pas me plaire. Une boy. Putain, l'horreur. Oh, l'horreur. Olé. Aïe. C'est rien, ça me fait pas mal. Personnellement, je m'occupe de ton cas après. Je vais m'occuper de votre cas à tout le monde. Ils me font super mal. Dans ta gueule. Maintenant il est où l'autre? Je vais prendre le fusil à pompe. Ouh, il est énorme lui. Il est gros, c'est ça. On a réussi. On peut le faire, les amis, on peut le faire. On peut les vaincre, ces fils de pute. Sans exception, on peut les battre. Et vu que j'ai un sac quand même avec deux places en plus, ça me plaît. Putain, par contre, espérons qu'il n'y en a pas trop non plus. Ça va me déplaire facilement. Il y a quoi là-dedans? Oula. Oula, il s'excite. Mais putain! Ah, j'aime pas ça! Pourtant, je tire. Bim! Oh la vache, je suis content, j'en ai fini avec eux, mais en espérant qu'il n'y en a plus beaucoup. Oh là 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 là, parce que la dernière fois,
J'avais fait la ferme en off et franchement c'est vraiment pas facile, il faut des armes. Il reste... Il y a du gugus, là, il y a un des gugus. Un mordeur rapide, mais bon, terminé. Pouah, j'en ai fait de la charpie, mon gars. Ce burifie, mon gars. Putain, en plus, j'ai super faim. C'est la merde. La grange est ouverte, merde. Oh, merde. Hop, il n'y a pas un autre fusil à pompe. Oh, fais chier, il n'y a plus d'armes. J'ai plus d'armes à feu, non. J'ai plus d'armes à feu. Comment est-ce possible? Oh, fais chier. J'ai pas le choix de faire un grand détour. Oh, c'est dégueulasse. Regardez comment on va s'y prendre avec le zombie. N'inquiétez pas. On va essayer de récupérer le loot qu'il y a dans le coffre et voir s'il y a une arme. Et là, ce que je vais faire, un grand détour en espérant pas être touché. Il m'a touché, le bâtard. Et là, on va faire tout rapidement pour essayer de choper une arme dans le coffre et le buter, ce fils de pute. Putain, j'avais plus d'armes à feu, les amis, plus d'armes à feu. C'est un peu con, hein. C'est très très con. Allez, qu'il y a une arme à feu. Oui. Oh, arme à feu, et je vais démonter la gueule, fils de peu. Fils de pute, pardon. Il y avait de la nourriture en plus. Il est où? Il est où? Il s'est pas pareil. Ah. Et voilà, terminé, mon vieux. Ah, oh, vite, faites de la nourriture là-dedans. Oh, oui. Ah, oh, oui. Une belle armure ici, c'est parfait. Oh, un plan de la massassine. Génial. Du cuivre, un marteau, ça c'est bien. Ça, on prend, ça, on prend, ça, on prend. Je prends, évidemment. Ça, je l'utilise. Et j'ai gagné un niveau. Super. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a, on y prend. Oh, oui, voleur niveau 2. Oh, oh, je suis trop content, yes. Oh, c'est trop gentil. Il y a un petit chiot ici, normalement. Ah, viens, la petite pépère, voyons. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans la chopper, les amis. J'ai hâte de découvrir ça. Une route chopper. Eh bah, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu, les amis. C'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. L'essence, j'aurais préféré le prendre. Avec la batte de baseball et puis la roue, on la prend pour 2 heures. Ah, bah non. Ah, c'est... Ouais, vas-y, on la prend. Allez, vas-y, on la prend et on se barre d'ici. Ah, je suis trop content. On a du cuivre à volonté. C'est super. Je pourrais au moins faire une partie du secteur 7. C'est combien, ça? Niveau 3. Mais au moins, j'ai niveau 2 pour le bunker alpha, les amis. Donc, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et du coup, j'aurais terminé les pièces de mon chopper. Ah, c'est super. Au moins, ça m'a rentabilisé un peu. Franchement, je suis pas dégoûté. C'est bien. Pourtant, j'ai pu manger un peu. Il faut juste que je bois un coup, mais c'est pas grave. On va rentrer à la planque, tout baigne. Franchement, cette ferme, super. Rien à dire. Ça, c'était une ferme de dingue. Bon, évidemment, on a perdu notre armure de militaire, mais au moins, on s'est équipé pour ça. J'ai bien fait. Mais c'est vrai que... Mais par contre, ce qui concerne le Comico, j'ai essayé de faire un maximum de loot pour faire un joli petit pack opening. Ça, c'est sûr. Je vais faire tout. Je vais faire tout pour. Parce que là, waouh. Il était super dur. La ferme était très, très, très dure. Franchement, c'est waouh. Mais je suis pas déçu du loot, hein. Bon, c'est vrai que t'as des chances aussi d'avoir le réservoir, ou vraiment très peu de chances, mais... Tu peux en avoir, mais c'est vrai que c'est très très compliqué d'aujourd'hui. Très très compliqué. Putain, la barre de Tootsken, je voudrais trop l'avoir pour créer du C4.
Parce que oui, j'ai du C4 dans un coffre de grenades. Donc les amis, franchement, ça me fait super plaisir. Hein, franchement. C'est super parce que... parce que j'ai reçu un C4 quand j'étais en zone rouge. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai pris absolument. Absolument. Si vous voyagez dans les zones rouges et que vous voyez du C4, prenez le C4. Franchement, prenez le C4. Il faut le prendre. Quand c'est comme ça, il faut le prendre. Hop, les petits chiots, hop. Donc c'est une petite fille, très bien. Un garçon, super. Ouais, je dis pas mal, femelle. La femme. Ah, super, on est rentabilisé, les amis. Regardez, j'ai presque bientôt fini qui me reste à faire pour le secteur 7, parce qu'il faut 10 lingots de cuivre. Et franchement, on peut se rentabiliser, surtout... Regardez, je vous l'avais dit, regarde. Je pourrais échanger ça pour 2 verts, mais je préfère farmer les oranges, comme ça je suis sûr de farmer les verts, ensuite des bleus et ensuite des violets, parce que les violets sont les meilleurs. Il y a du super bon loot là-dedans, super bon loot. Le M16, évidemment, je pourrais le remettre. Hop. Allons voir le plan de la scie, bien évidemment, de la masse à scie, comme ça. Alors, masse à scie, voyons voir ce que tu nous proposes. Il est là. Alors, ah ouais. Je pourrais déjà mettre mes 3 masses assis. Évidemment, lui, il a des plans. Il a la masse et le prise en carbone. Ok. Je pourrais y mettre 2 masses assis, mais évidemment, c'est vrai qu'il faudrait que j'en retrouve. Mais vu que j'en ai plein, c'est rentable. C'est rentable encore. Putain, la masse avec... Donc, à mon avis, il va falloir que j'aille le recycler pour y trouver les plans. Super, super. Ah, c'est génial. Ah, une pièce de moteur de fait. Là, j'ai plus à me casser les pieds avec les pièces de moteur. Franchement, les amis, je suis... Oula. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bim. Terminé. Évidemment, il faudrait que je fasse ça. Aussi. Et regardez bien, hop, on fait ça. Et voilà, les pièces de moteur sont finies. Il me reste plus que les deux, la fourche et le réservoir. Et dès que j'aurai ces pièces-là, on va se faire une vidéo, les amis, sur la chopper, bien évidemment. Hein, ça, c'est sûr. Il me reste plus que 1, 2, 3, 3 clés plates. Et je pourrais me contempler de finir ceci, la radio au niveau 3. Super, super. Franchement, je suis pas dégoûté. Ah, c'est nickel, j'adore ça. J'adore, super. Ah, c'est trop d'art. Alors, la masse... merde, je ne l'ai pas. À mon avis, je l'ai déposée. Évidemment. Hop, tu vas être recyclé, mon vieux. Oui, oui, t'inquiète, je sais que t'as soif. Ah, merde, il a pas de plan. Oh, fais chier. Il est tellement stylé. Ah, il est lourd. Il fait combien de dégâts? 50 de dégâts. Alors, tu fais 3 fois, allez, 150, je crois. Ou plus, d'autant plus. Putain. Bon, oh, vous savez qu'on va la garder. Judicieusement, on va la garder. On va la garder. Eh bien, je crois que les amis, je pense que ça va être déjà la fin de cette vidéo. Surtout si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour cette vidéo, parce que j'ai mis énormément de cœur à avoir à finir la ferme en survivant, en aucune mort. Donc franchement, je suis pas dégoûté. Donc sur ce, on se dira pour de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut !